Maintenant, Keikuk est dirigé par les animations de l'intro, synchronisées par le Timecode. Very rough animation, but I can work to it. Still not finished yet, there's some bits to put in, but it's more or less there. J'utilise des séquenceurs externes. Je mixe tout en MIDI et j'amène le disque MIDI final au studio d'Electronic Arts, où tout est remixé avec d'autres synthés. On n'utilise pas de direct to disque du tout. Le plus difficile est de créer une atmosphère crédible, faire croire au joueur qu'il est vraiment dans un donjon. Et faire peur aux gens est difficile également. La plupart se marrent quand ils voient quelque chose d'effrayant. J'ai envie que les gens aient vraiment la trouille. Right, so one thing you'll notice about this sort of music is that there's no tune to the music. Dans ce genre de musique, il n'y a pas de mélodie, pour être sûr que le joueur n'écoute pas la musique en tant que musique, mais comme atmosphère dans le fond. Et je peux augmenter le niveau d'une piste voulue, pour augmenter la tension. La musique interagit en temps réel avec le jeu. Je pense que Dungeon Keeper est le meilleur jeu sur lequel j'ai travaillé jusqu'à présent. Dungeon Keeper, c'est comme un tableau. Tu commences par tracer les contours, tu as les contours, puis tu remplis tous les blancs, tu continues à retoucher chaque élément. C'est ce que tu fais avec le jeu. Tiens, je peux faire ça ou ça. À la fin, tu te retrouves avec un jeu jouable dont tu es content. Il y a des indices que j'attends de voir pour savoir qu'un jeu est prêt. Comme par exemple un testeur qui commence à parler au jeu. Les pires méchants possibles, on les trouve dans Donjons et Dragons. Et il n'y a pas eu de jeu intéressant dans le genre depuis des années et des années. C'est une bonne raison pour décider de faire un jeu de ce type. Quand je crée un jeu, j'aime partir dans un thème que les gens connaissent déjà. L'imagination du joueur peut ainsi travailler facilement. C'était également amusant de contacter Origin et Richard Garriott, parce qu'il a créé le héros de Donjons et Dragons Ultime. Et me voilà avec le méchant ultime. Malheureusement pour lui, il a autorisé que son héros se batte contre le mien dans mon jeu. Il est sûr de perdre. J'ai téléphoné à Richard Garriott. Je lui ai demandé « Richard, est-ce que je peux utiliser l'avatar, ton héros ?» Il m'a dit « Ok, bien sûr. » Je lui ai dit « Tu es sûr ?» Il m'a dit « Ouais, pas de problème. » Je lui ai dit « Même s'il se fait rôtir dans un barbecue ?» Je pense qu'il croyait que je plaisantais. Mais je ne plaisantais pas. On va enfin pouvoir prendre une revanche sur l'avatar. Thank you.
L'idée de diriger les méchants de Dungeon Keeper vient de plusieurs influences. La principale est sans doute Hollywood. Tous les films à succès récents ne parlent que de méchants. Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Interview avec un vampire. Qui aurait pu penser qu'un vampire pourrait être le personnage principal et que le spectateur s'inquiéterait pour lui? Dans un jeu, on peut faire la même chose. Quelle est la pire chose que l'on puisse faire dans Dungeon Keeper? On peut torturer des gens, c'est plutôt méchant. On peut observer un personnage se faire écarteler, se faire tuer, le tout avec le meilleur goût possible. Je ne parle jamais de mes idées avant d'avoir quelque chose à présenter. Le thème de mon prochain jeu parle de quelque chose que tout le monde connaît, mais qu'aucun jeu n'a jamais traité. Je ne peux pas en dire plus. Something that everybody in the world knows about, and it's a subject that no game has ever been done.